sécurité du salon est évidemment assurée par une certaine RPD, Raccoon Police Department. Je vais essayer une voiture de police pour la première fois de ma vie, je suis assez ému. Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, mais... Les plus téméraires pourront s'essayer au rodéo, hein, sur une piñata géante. Voilà, on est toujours dans cet univers un peu fou. Et regardez pourquoi c'est notre coup de cœur du salon. Parce que le popcorn coule à flot et il est gratuit. Voilà, ça nous plaît beaucoup. On va continuer notre petit tour avec peut-être les consoles, puisqu'il est évidemment disponible. Alors là, on a des éditions PC hein, qui sont proposées. De très nombreux écrans ont été mis à la disposition des joueurs, qui sont toujours plus nombreux. Des tournois sont organisés sur écran géant. Ici, on a tout le stand merchandising avec des casquettes, des hoodies, des t-shirts à l'effigie hein, des héros de Fortnite. Mais la pièce maîtresse, l'élément central de ce stand, on va vous le dévoiler. Voici l'arrière du Battle Bus. Voilà, avec ses 100 sièges, vous les connaissez par cœur. C'est de là que partent tous les combattants qui vont ensuite se dérouiller sur une île. Ici, une scène principale qui accueille des cosplayers, des chorégraphes et tout simplement des photoshoots pour ceux qui le veulent. Et voilà, on finit ce tour d'horizon avec l'avant du bus avec du drop de qualité. Alors ici, pas d'armes, hein, vous savez, on est dans Halo 3, un monde non violent, mais tout simplement des gobelets et des pailles. Voilà, on va peut-être repartir avec un petit gobelet, on va le remplir, il y a des fontaines à eau simplement, on s'en contentera. Donc voilà, pour ce stand Fortnite, regardez, un monsieur tomate, tout est possible ici. Hein.